Eh bien, salut tout le monde, c'est Eldrazi et aujourd'hui on se retrouve sur cet écran noir. C'est qu'il y a une bonne raison. Mon ordinateur fixe, c'est celui avec lequel je filme avec Minecraft. Et il y a eu un gros problème tout à l'heure. J'ai eu un blue screen, donc du coup je me suis dit bon, c'est pas si grave que ça, on va redémarrer l'ordinateur. Et au démarrage de l'ordinateur, j'ai eu encore un blue screen qui disait que une Wintable boot volume manquait ou un truc du genre n'était pas au point, et du coup je ne peux plus allumer mon ordinateur, ça me remet en boucle ce blue screen. J'ai beau mettre le mode sans échec par invité de commande et tout ce bordel, utiliser la dernière version fonctionnelle de Windows, j'aurai toujours ce blue screen. Le problème c'est que ma série hardcore, la map est sur cet ordinateur, ma série de tutoriel Redstone, ma map est sur l'ordinateur. Donc ce qui risque de se passer, c'est que si je dois installer Windows, je perdrai toutes les sauvegardes de Minecraft, et donc je perdrai ma série hardcore. La map de Redstone c'est pas compliqué, au pire hein, j'en refais une autre, mais c'est embêtant, c'est surtout ça le problème. En plus j'avais refait une map un peu plus haut avec un labo et tout, et si ça me merde comme ça, c'est embêtant. Donc voilà. Donc aussi suite à la création du forum et du site, je me suis rendu compte que je pense au niveau des présentations qui avant étaient obligatoires pouvaient faire fuir des gens de l'inscription sur le forum. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que maintenant c'est plus obligatoire. Donc du coup vous pouvez aller sur le forum, vous inscrire mais sans faire de présentation, hein, donc elle est plus obligatoire, et faire ce que vous voulez sans en bien sûr en respectant les règles, mais sans forcément vous faire une présentation de vous. Voilà. Donc ça je l'ai mis en pas obligatoire, c'est voilà. Ça fait beaucoup de voilà dans une phrase. Ah putain. Donc ça c'est mon frère que j'ai contacté tout à l'heure qui m'aide. D'accord, il me dit qu'il pourra peut-être passer demain soir. Voilà, donc peut-être que demain soir et ça. Donc du coup la vidéo qui était prévue pour aujourd'hui, elle ne sera pas. Voilà, donc je suis vraiment, vraiment désolé. Je dis rien. Donc non, je lui réponds quand même, je dis ok. Je n'y peux rien, je vais juste me mettre en silencieux comme ça, ça c'est fait. Donc voilà. Voilà. Donc on va pas prendre une vidéo 3 de 3 jours pour vous dire que mon PC marche pas. Hein. C'est un blue screen, une Wintable volume ne marche plus. J'ai essayé de débrancher mes haut-parleurs, je pense pas que c'est un rapport. J'ai débranché ma carte son pour être sûr. Rien n'y fait, c'est un bug, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et il faut réinstaller Windows, ça va vraiment me faire chier ça. Donc bien sûr je vous ferai une vidéo vous disant que j'aurai réinstallé Windows ou pas. Voilà. Si on réinstalle Windows, j'essaierai de demander à mon frère de prendre une clé bootable de Linux. Alors tout le monde sait que Linux est gratuit, mais grâce à une clé bootable on peut accéder à l'ordinateur et peut-être récupérer des fichiers à l'intérieur. Et si c'est possible, récupérer les sauvegardes de Minecraft, parce que ma série hardcore on peut plus récupérer la map, j'ai pas fait attention au seed. Si j'ai récupéré, voilà, j'avais trouvé 7 diamants aussi. Voilà, bon, moi je vous dis ciao tout le monde. Restez abonné à ma chaîne si vous êtes partir, parce que ma série hardcore est morte et que j'ai plus ma map de tutoriel. Voilà, de toute façon la map de tutoriel, je me suis fait plaisir en faisant péter 40 000 33 TNT qui a fait crasher la map et le jeu et le PC, parce que j'avais changé de map, en fait j'ai créé une nouvelle map et tout. Donc bon, ciao tout le monde, j'espère que ça se réparera rapidement, hein. Demain soir peut-être, voilà. Bon allez, ciao tout le monde, 3 fois dans la vidéo ou 4, je sais pas. Allez.